Julien Philippon, on va évoquer les chances de Wickford dans le quintet de jeudi. Julien, une Wickford dont la régularité est vraiment son sa principale qualité. On se retrouve dans un quintet, néanmoins on l'a déjà vu au niveau handicap. Oui, bah ça fait 7 courses qu'elle finit dans les 3 premières. Enfin, on s'est rendu compte que sur la PSF, finalement ces 3 contre-perfs sont sur la PSF cet hiver. Et elle s'était fait une petite entorse en fin d'année de 2 ans, ce qui fait qu'elle était aussi en même temps dans des courses de rentrée. Mais voilà, toutes ces dernières courses sont bonnes. Et effectivement, la course qui me semble la plus intéressante en référence à ce quintet-là, c'est la course l'avant-dernière fois à Maison Lafitte, où elle finissait à une 3 quarts de longueur, je pense, de rayon vert, qui depuis lui-même a pris de la surcharge. Et elle prouvait à cette occasion qu'en 37 de valeur, elle était compétitive. Julien, une course qu'on a attendue. Oui, c'est enfin disons que c'est une course que j'avais en tête parce que c'est une course extrêmement bien dotée pour cette catégorie. Maintenant, elle arrive, ça doit être sa 10e course ou 11e course de la saison. On peut pas dire qu'elle arrive avec beaucoup de fraîcheur là-dessus, mais 1400 mètres ligne droite, c'est vraiment son sport. La seule petite ombre au tableau, c'est comme je vous dis, ça fait beaucoup de courses et je pense qu'à un moment elle va passer la forme. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une pouliche qui a besoin d'être montée de façon, pas forcément dernière, mais de façon tranquille en début de parcours. Et fatalement, quand il y a un peloton de 16 partants à doubler, c'est moins évident. Elle est petite, elle a pas trop de modèle, elle peut pas bousculer les autres. Donc voilà, il faudra qu'elle ait les coups des franches pour pouvoir placer sa pointe de vitesse. Vous avez tout bien résumé. Julien, dernière question. L'état du terrain, il pleut un petit peu à l'heure actuelle, est-ce que ça vous gêne? De par son origine, non. Il se trouve qu'elle n'a pas été très souvent amenée à courir dans des terrains très souples. Jusqu'à 3-4, 3-5, il n'y a aucun souci. En au-dessus, j'ai pas de référence pour en avoir la certitude. Dans tous les cas, quand on regarde ses performances, sa forme est... Oui, voilà, je vais sur cette course parce que j'y suis obligé. Maintenant, si elle venait à montrer à un moment, et notamment à ce moment-là... qu'elle arrive au bout de l'année, ben on lui donnera un break à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai pas le matin des signes avant-coureurs de fatigue et toutes ces dernières courses sont excellentes, donc on y va raisonnablement confiant pour finir dans le quintet.